Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode, on est sur Europa Universalis 4. On est en train de terminer notre guerre contre la France. On a pris Paris, j'aimerais pouvoir leur montrer notre puissance. Mais on va prendre juste les humilier. Plus demander d'oublier le Portugal et les Pays-Bas, cas où je vais les attaquer directement. Et verser beaucoup de sous. Fini les occuper plus par acquis de conscience que par réel intérêt. Pas des troupes qui allaient plus loin. Quoi? J'ai mis mes troupes sur la mauvaise colonie. Oh oh oh. On en est à combien de provinces? Bon, on manque toujours 100. Qu'est-ce que c'est l'épée Jinmin 67. Manchu. À la fin de la trêve avec la France, on commence à les annexer. J'ai deux nouveaux marchands. Peut-être grâce à Zanzibar. Je finis par avoir un point important. Ou le Zambèze. Je ne sais pas trop. Transférons de la puissance depuis là. Et depuis là. Finalement, j'aurais pu réclamer des provinces à la France, mais comme ça, je suis à peu près sûr que l'expansion agressive montera pas trop. Quoique j'en sais rien en fait. Je sais pas si jamais j'aurais plus d'expansion agressive sur eux avant la fin, à la fin de la trêve. On voit la longueur de la trêve. Nous négocions, France. Le trêve pendant 14 ans. J'aurais aimé plus. D'habitude, je préfère avoir moins dans les trêves, mais. Dans la mesure où j'attaque les gens aussi pour pas qu'ils soient dans la quoi. D'ailleurs, l'Espagne, il pourrait y être. Grande-Bretagne aussi. L'Irlande, quasiment. Potiguaras, pas. Mais ils sont tous à 43 en Amérique du Sud. Oh là là. Même jusque là. Faut pas que j'ai toute l'Amérique du Sud coalisée contre moi. Surtout pas Potiguaras, vu qu'il est le maître de la Grande-Bretagne. C'est très important. Il y a encore trop de monde là. On fait du pillage pendant ce temps-là. Petite bataille navale. Des navires de Colombie-Française qui sont venus dans mes eaux. Fin du siège du Finistère. La France a perdu. Ce serait bien qu'elle me file beaucoup de démonstrations de force. Je sais pas quoi demander qui me rapporterait les démonstrations de force, sachant que j'ai. Avec le casus belli, je peux pas demander ça. Je peux pas demander de province. Pas exiger ça, je peux juste demander briser les alliances. Prise, ça m'intéresse. Yémen, c'est probablement. Et on a vaincu la France, on l'a humiliée. Et je peux mettre d'autres gens, apparemment. La Pologne et la Scandinavie, est-ce qu'on les met? Ça permettrait d'avoir des rivaux de longue date. Allons-y. Opinion, il m'aime déjà vraiment pas beaucoup. Comme ça, je peux imposer l'embargo. À la Scandinavie. À la Pologne. Faudrait juste que je fasse une petite guerre de course contre l'un des deux. Pratiquer la course. Je peux pas les envoyer à Bordeaux par exemple? Apparemment pas. La Crimée, c'est à peu près moi qui ai tout le commerce, c'est pas très intéressant. On va venir les stationner ici. Et voir si jamais ça va changer d'avis. Voilà, on part
passe en mode plus petite armée. La frise, elle a quoi contre moi alors qu'il m'aime pas trop mal. Tout le monde me déteste dans cette partie par contre. Enfin, tous ceux qui restent, disons, sauf les Européens. Et les Américains, pour l'instant. Là, j'ai pris 0 d'expansion agressive. C'était une guerre bien sur ce point-là. Là, ils mettent un embargo, du coup. C'est un contre que je comprends tout à fait. Pratiquer la course. Sinon, je fais Valence. On peut les classer par ma puissance à moi. Dans Valence, je dois pas avoir beaucoup. C'est là. Par contre, c'est l'Espagne. Ou alors Gênes. Mais Gênes, est-ce que la France a beaucoup de provinces? Je pense pas. On peut essayer. Oh, il contrôle 22%. Mène la guerre de course contre France, si ça marche. Delhi, tu ne passeras pas chez moi. Tu es dans la cour depuis des années. Je vois pas pourquoi. Je te ferai une petite faveur. Alors, en 67, on s'attaque à Jin. Oh, il a pris beaucoup de provinces. Pas les provinces que je voulais. Liang, allié à Min. Ce serait mieux que j'attaque Min alors. Est-ce qu'on attend février et on s'attaque à Min? On peut peut-être faire les deux. On peut carrément faire les deux. J'ai juste peur de jamais pouvoir attaquer le Japon s'ils se trouvent pas d'alliés. Et je les ai un peu plus isolés en prenant leur province proche du reste du monde. Bon, ils ont toujours celle-là. Puis ils pourraient s'allier à la Corée. Sauf s'ils sont rivales l'un l'autre. Il a mis Yu, Corée et Mine, d'accord. Là, il y a le Jin encore. Allie-toi au Jin. Ou au Yang, ou au Liang, ou à qui tu veux, hein. Juste quelqu'un que je puisse sortir de la coop et attaquer tout seul. Donc on a dit qui d'abord? Le Jin. Où sont mes armées? Dans ce coin-là. On va voir comme ça. J'en ai un paquet. J'ai des troupes là-haut. On va juste les approcher comme ça. Des troupes là. Il me faut des bateaux. Cette flotte là. Allons débarquer là. Oula, c'est encore plus proche. Il y a Miao aussi, il faut que j'atte l'attaque. Il est pas allé à Mine d'ailleurs? Si, bah voilà. Et il est aussi allié à Liang contre Marrakech. Marrakech est tout seul. Je n'hésite pas alors. Jin allié à Corée. Et garantie des gens qui sont dans ma koa. D'ailleurs, la koa c'est toujours un truc de dingue. Je suppose que oui, un demi-million de fantassins. Peut-être qu'avec tous mes alliés, on les défaiterait. On les déferait. Enfin, on leur causerait une défaite, quoi. Si, défaiterait, c'était plutôt bien, je pense. Vous allez repartir direction l'Inde. J'ai plus personne côté Yémen. Continuent leur colonie, eux. De façon active. Peut-être que je pourrais les attaquer à la fin de la trêve avec les butoises. Et je pourrais. Buas. Je pourrais peut-être prendre des provinces. On verra. Je voulais lancer l'annexion
des Mandchous. Je ne peux pas parce que j'ai rejoint la guerre avec l'Espagne un peu trop tôt. Assurons-nous. Qu'ils seront toujours très contents. C'est vrai que j'ai Marrakech, moi. Tafilet. Occupé par Marrakech. Céréale maudite de limite terrestre. Ah, je suis obligé de faire tous des tours si je fais ça. Bon. C'est pas grave. C'est vrai qu'eux ne pourront pas passer non plus. Scandinavie n'est plus un rival valable. Et du coup, on lève l'embargo. Mais je suis repassé à suffisamment pour me faire plus 1, plus 1, plus 1. Mes bateaux ne sont pas arrivés. Ils ont pris un peu de dégâts d'ailleurs. France entache ma réputation. Est-ce que ça nuit complètement à l'annexion? Ou... Logiquement, j'ai repassé à base. Et du coup, ça va finir plus tard. Hein? Une rébellion. Je suis dans la place pour m'en occuper. Ah, j'ai pas arrivé à temps. Tant pis, on va arriver à côté. Révolution au Portugal. Moi, ma révolution, elle a disparu. Temps difficile nous attendent. C'est devenu une grande république. Alors, une république est un régime politique où l'État est gouverné par ses citoyens. Le pouvoir n'est pas héréditaire mais remis entre les mains d'un dirigeant élu. Absolutisme maximal réduit. Capacité de gouvernance augmentée. Agitation dans le pays. Réduite. Potiguaras, il est en guerre contre qui? L'Irlande, Scandinavie et Pays-Bas. Et il y a un score presque nul. J'ai pas pris l'institution. Celle qui va me coûter bonbon. 11 000 pour les autres provinces. À mon avis, ça va faire 12 000. Quand suffisamment de provinces l'auront pris déjà. Gine, c'est en août de l'année prochaine. Ah, des révolutionnaires portugais. C'est vrai que j'ai pris ces terres-là, moi aussi. On vérifie. Siam, nouvelle province. Ah, ici aussi. Ceci, je crois que c'est les provinces que j'ai prises à Langzang qui est devenu très petit. Oh, faut que j'attaque Siak encore. Si je romps l'alliance avec eux, je sais pas combien de temps ça fait de trêve. Ils sont alliés à Malacca, ça fait pas très peur. Faudrait que je le fasse vraiment, vraiment à la fin, mais pas trop tard non plus. Sinon, je pourrais plus. Bon, on verra après la guerre contre les Chinois. Grosso modo, si j'arrive en 1800, il faut que je rompe l'alliance. Pour avoir le temps de faire la guerre et tout. Alors, une de plus l'adopter. Je peux prendre la tech. Pour l'instant, ça me sert à rien. C'est fou que... Non, ils l'ont pas adapté. Si, les Pays-Bas? Non, ils l'ont pas adopté. Ils ont juste une province qui l'a prise. En Bretagne 2, la France 3. Colonie autosuffisante. Nanguerre. Hop.
J'aurais pas fini de coloniser les régions arctiques de Sibérie à ce rythme-là. Antarctique, ouais, Arctique en bas, Antarctique en. Payons un corruption, un conseiller. Vraiment, je me suis fait massacrer une armée complète. En fait, le Portugal n'a pas encore perdu contre les révolutionnaires. Il y en a toujours qui éclatent partout. On verra ce qu'il fait dans ces petites îles, mais. Siak, mariage rompu. On ne le refait plus. En août. Revenons voir par là. Il y aura peut-être des groupes d'armées qui auront fini à ce moment-là. Anna, Ifif, Sousse et Agradir à Espagne. Grosso modo la côte, quoi. On va finir les doctrines d'influence qui me permettent de prendre réputation diplomatique plus 1, plus une relation diplomatique. Je ne sais pas encore avec qui on va s'allier, probablement. Un vassal de plus, ça me paraît pas super utile. Scandinavie. Oh mon dieu. 300 000 hommes. La Scandinavie. Ce petit pays-là. Ils ont même pas de colonies, hein, me semble-t-il. Mais ils sont capables d'aligner 300 000 hommes avec les territoires de la Livonie, quelques territoires de Novgorod, grosso modo, il y en a peut-être qui sont moscovites, ouais, et de la Moscovie, le Danemark et ses deux dépendances, 300 000 hommes en fin de partie. Eh bien, si par un hasard quelconque j'arrivais à retourner la Scandinavie, enfin, à retourner l'esprit de la Scandinavie et qu'elle s'allie avec moi, on dirait pas non. Vijayanagara. Il a aussi beaucoup de monde. Après, il y a Pologne. Pologne, ils ont des alliés en plus. Pays-Bas, Grande-Bretagne, Yémen, Bohême, Siak, Lituanie. Un avec qui je pourrais m'allier, c'est Caraïbas. Potiguaras. Tant qu'ils ont la Grande-Bretagne en partenaire mineur. Représente un poids très important. Et en plus, ils ont quasiment 100 000 hommes. On va prendre eux. Sauf que la Grande-Bretagne, en plus, elle a tous ses alliés. Alors, améliorer les relations. Bon, c'est juste qu'ils m'aiment pas pour l'instant. On peut pas faire d'alliance pour cette raison. Peut-être que si je prends l'institution, ça va faire peur à tout le monde, leur faire croire que je suis très 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 puissant. Ce qui est pas complètement dénué de tout fondement, mais. On va la prendre avant août, donc c'est-à-dire maintenant en fait. Ça ne provoque pas un engouement à quitter la coalition. Par contre, Pologne n'est plus un rival valable. J'ai pas d'autres rivaux, plus que la France maintenant. Non, Siak, je suis désolé. Alors j'ai rassemblé toutes mes troupes sur exactement la même province, c'est un mauvais plan. Voilà, et ces 37 000 là, ils vont plutôt aller par là. Je pourrais faire une tech militaire. On va pas la faire. Ce serait des révolutionnaires ottomanes qui se soulèveraient à la place des particularistes, en fait. Si la culture est acceptée, c'est des révolutionnaires. Hop, ah oui, si, bosnien, c'est pas accepté. Et sinon, ça dépend des trucs, mais.
Ça avance pas, on le vire. Ça fait très 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 longtemps que j'ai lancé. 4 sur 4 de libre. Il voudrait bien faire un mariage royal, mais pas s'allier. Parce que je suis allié à la Bohème et à l'Espagne. Après, je suis ennemi à la France, comme eux. Le Japon me déteste beaucoup. Bon, on va viser Potiguaras comme allié. Ah oui, je devais développer des provinces militaires. On va le faire avec le super onglet. Donc, pour pas cher. Celle-là. Celle-là. Pas beaucoup sur lequel j'ai la possibilité de le faire. Bosna, par exemple, ça doit plus être des cultures acceptées. Où j'ai le malus de modif des réserves. Ah, ils ont des révolutionnaires miao aussi. On ferait pas le poids contre l'ensemble de la quoi. Ils osent pas m'attaquer, j'ose pas non plus les attaquer eux. À la fin de cet épisode, je relancerai le jeu comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ça réactualisera les quoi. Et je suis débile. Petite pause. Ok. Du coup, finalement, j'ai relancé le jeu. Juste au 1er août. J'ai toujours la France en rivale, mais elle a été éclipsée et puis remise. Du coup, j'ai reçu plus 10 à éclipser France et je suis à 74, c'est ce qui est très bien vu la taille de mon pays et que je peine à avoir des rivaux. On s'attaque à Jin tout de suite. J'ai pris l'institution, j'ai relancé le jeu. Ça a pas poussé les gens à quitter la coop, donc j'imagine que le nombre de pays qui peut s'y rendre est tellement important que le jeu considère que c'est une puissance trop grande pour que les gens restent hors de la coop quand ils peuvent être dans la coop. Voilà, c'est mon interprétation à moi. C'était son général à lui. On peut se refiler par là. On n'a plus tellement d'autres armées dans le secteur. Ils sont quand même relativement nombreux, Jin et Corée. Et la trêve de mine, c'est en février l'année prochaine. Commerce de thé et de café. Ça varie beaucoup ces trucs-là. Je les ai, puis je les ai plus, puis je dirais réel. Il m'attaque, il doit constater qu'il gagne. Je vais pas fuir. Oh non, on a perdu. Ok. Je peux même pas bouger là. C'est très frustrant. On va pas faire le fort en montagne pour l'instant. Il revient vers moi là. Ouais, reculons. On va les envoyer de ce côté-là en fait. Un fort qui tombe. J'ai moins de troupes disponibles que contre la France. Je peux attaquer là? En passant là, oui. Ok, on va rester là. Alors.
Vite, 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 c'est gagné. Ok, on va faire les forts avec prudence. Ah, on a deux armées là. Rassemblons-les de ce côté-là plutôt. Ah, on a croisé une armée. En déroute à partir de maintenant. Peut-être plus de provinces pour le Mandchou. Oh, j'ai encore oublié d'éclairer la guerre, d'annexer le Mandchou. Fin du siège. Ah, y a beaucoup de monde. Ça va en montagne, ça? Terre arable. C'est pas grave, on va attaquer quand même. C'est gagné. Et ensuite, on va prendre des provinces doucement. Coup de légitimisation, ça m'intéresserait. Pas mal. On va vraiment focus la Corée au début. En allez où? Par là-bas. Ah, j'ai enfin des troupes là-bas. Laissons-les s'agiter, ça fait même pas de troubles suffisamment importants pour m'embêter. C'est très nombreux. L'objectif, c'est d'avoir la capitale de Jin, qui est très bien cachée quand même. La force la plus valable. On va arrêter la guerre de course. Protéger le commerce si jamais on n'a plus la France avec nous. Ah, allez. Il paraît que c'est là que c'est le plus rentable. Profit à la Mecque encore. Fin du siège. Super, super. Qu'est-ce que tu fais toi exactement? Est-ce qu'on a besoin de plus sur la Corée ou est-ce qu'on fait... Ils font la guerre contre le Japon. Le Japon perd, il est occupé face à Mine. Ah si, Mine peut prendre la province de Tokyo en fait. Ça me plairait. Je sais pas ce qu'ils en font. Mais je lance ça comme ça au cas où. Au cas où mon vœu soit exaucé. Siak a réussi à pacifier sa zone à coup d'écrasage de rebelles. J'ai plus tellement d'espoir de voir la province tomber aux mains des rebelles. Est-ce que ces troupes-là peuvent aller jusque là-bas facilement? Oui. En fait, on ne va pas en avoir besoin, on a tout cela. Quoique, plus de monde, ça se refuse pas.
décourager une bonne fois pour toute la Corée. On a presque fini la Hongrie. On est très très nombreux, ils sont. Ouh, aïe 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 aïe. Ça pique, j'aimerais pas être à leur place. Corée, elle a pris combien? 62. C'est peut-être bon. Rendez les provinces à Manchou. Ça me coûte un peu de score, c'est pas si grave. Peut-être que je peux. Non, faudrait que j'occupe toutes les provinces pour pouvoir les donner à Manchou autrement. Alors, bon, un Manchou. Ça, j'aimerais bien un Solibon aussi. Solibin, comme ça. Ça leur fait un pont jusque-là. Ou alors, si je prends pas Solibin, Aegun, classons-les par nous. Elle vaut 15. Ou alors, en. Aegun plutôt. Soit à moins 8. Coupons notre armée en plusieurs morceaux. Ils sont en guerre contre d'autres gens, eux, non. Il n'y a que moi. Oh, j'ai pas fait gaffe à la trêve, mais Mine n'a pas rejoint la Koa. Probablement parce qu'il est en guerre contre le Japon. Je suis pas tellement confiant de ne pas l'avoir dans la Koa. Allez, il cède. Il donne que des provinces à mon vassal. Ce qui fait que je peux enchaîner avec une paix ici. 8, 13, 17, 24, 28, c'est du pas cher. Peut-être de quoi. Oups. 34, c'est plus, mais. C'est pas tellement non plus. On va faire tout ça. Ça fait un pont. Oh, je peux faire tout ça. Mais non, je peux pas parce que ça fait trop de surexpansion, ça. Celle-là, elle peut être au Manchu. Celle-là, on va faire pareil. Char. Jutin. La soie, elle est toujours chez Liang. Oh, Mine est en train de gagner, je me demande si mais il faut pas le laisser faire sa guerre contre le Japon, la gagner, prendre Tokyo. Je sais pas ce qu'il revendique, probablement rien du tout. Ouais. Vu que j'ai pris ces terres-là, il y a plus de chances qu'ils aillent jusqu'à Tokyo. C'est la province la plus riche. Ça fait 5% de surexpansion, ça c'est un peu trop pour moi. Même si je suis à 0 là, ouais. Fin d'un siège. Pas bon pour eux. Ainu est indépendant. Ils ont rien pris au Japon. Et ils sont toujours dans la Koa. Par contre, Ainu Japon, je les vois bien devenir alliés. Peut-être mettre vassal. Enfin, alliés d'abord. Peut-être dans l'objectif d'en faire un vassal. Ils sont de la même religion. Shinto, c'est ça.
6, 8, 3. Du coup, Nine va bientôt rejoindre. Probablement. Faut que je fasse ma paix. Eh mince, faudrait que je fasse ma paix avant. Sauf si j'ai quelqu'un d'autre à attaquer qui est lié à Liang. Non, absolument personne. On va refaire la même chose. Je suis revenu en arrière, on va conclure avec une paix comme ceci. Il y a une bonne partie de la région ici, jusqu'à cette province-là chez moi, et après ce sera Manchu. On va faire ça tout de suite. Ensuite, je lance l'annexion des Manchus. Je sais pas si j'ai le temps avant de. Je pense que j'ai pas le temps avant d'attaquer Mine, donc on va attaquer Mine d'abord. Il y aurait la Corée. Encore. En Corée. Oh là là. Regardons combien de provinces il nous manque. 100. Je pense pas que j'ai besoin d'annexer les Manchus pour avoir 100 provinces. Sachant que la Hongrie. Bon, la Hongrie elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 provinces. C'est pas beaucoup, franchement. Mais bon. Mais bon. Pour mettre la France en rival. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai peur que 48 ce serait trop pour envoyer mon diplomate. Donc on va attaquer Mine tout de suite et on fera la paix. La truc avec eux après. Mais je vais surtout Liang dans la guerre. C'est parti. Ils sont 100 000 fantassins donc il va falloir se réorganiser et tout. Peut-être que la première consort de la guerre c'est Corée, après Yang. Et après Liang. Yamiao aussi. Ah, c'est nickel ça. Il manquera juste deux provinces productrices de soie. Celle que Siak a pris dans un moment d'inadvertance de ma part. Et celle du Japon. Qui, j'espère, s'alliera à Inu. En tout cas, on verra ça dans un prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Il nous reste 50 ans. 50 ans sans province, c'est-à-dire deux provinces par an. C'est moins énorme que. C'est vrai qu'il nous reste 50 ans, c'est un huitième. Et il nous reste un dixième des provinces à prendre. Donc, et en plus ce sera des années plus faciles, logique voudrait. Donc a priori ça va passer. Sur la route de la soie, il nous en manque deux. On peut le vérifier en mettant en surbrillance peut-être. Une là. Deux là. Le truc c'est que 3, 4, c'est bien ça. Bon, je vois pas de surbrillance en passant vite partout, mais. Voilà. Ça m'étonne à quel point le monde est devenu contrôlé par les Européens, que ce soit en Afrique subsaharienne de ce côté-là, de ce côté-là aussi. On va dire que je suis européen aussi. Il reste plus tellement de peuples indépendants. Si j'avais pas été là, probablement quelqu'un d'autre aurait attaqué les deux peuples-là. Peut-être pas Madagascar, mais. Et de ce côté-là, à peu près toutes les terres ont été prises, sauf les territoires des pays suffisamment costauds. Les Pays-Bas ont pris toute cette section-là avant que je reprenne par-dessus. Voilà. Et l'Amérique, pareil. À l'exception de Potiguaras, qui est vraiment très costaud. Et qui n'accepte pas d'offres d'alliance. Pourtant, je croyais qu'on avait amélioré nos relations. Peut-être que je suis revenu en arrière de ça aussi. Faut que j'améliore mes relations avec Potiguaras. En tout cas, on fera ça pour le prochain épisode.